interreligiöse Konzert hier in Luxemburg. Wir freuen uns sehr über Ihre Anteilnahme, über Ihr Interesse an diesem besonderen Ereignis. Wir freuen uns, dass es wieder uns gelungen ist, AGIR in Kooperation mit dem interreligiösen Arbeitskreis in Trier und der Entwurfsbildung dieses Konzert zu organisieren. Und wir freuen uns, dass wir es auch geschafft haben, Vertreter der Religion nun dabei zu haben, die leider beim letzten Konzert nicht dabei sein konnten, wie zum Beispiel die Muslime. Unser Ereignis ist von einem ganz bestimmten Geist gespeist. Es ist die Vision der Einheit der Völker. Wir leben ja in Zeiten der Globalisierung. Wir merken, wir rücken dichter an dichter und glauben einfach auch, dass die Religionen dazu mit ihrem Potenzial einen wichtigen Beitrag leisten können. Und wir wünschen Ihnen einfach, entspannen Sie sich, lassen Sie die Vielfalt der Religionen in Text und Musik auf sich wirken. Und das reicht dann auch schon. Bonjour tout le monde et merci bien d'être venu si nombreux à notre deuxième édition du concert interreligieux ici à Luxembourg. Donc cette manifestation est organisée par le cercle de travail interreligieux de Trèves en coopération aussi avec la Vosnebildung. Et donc un grand merci aussi surtout à l'église protestante qui a eu la gentillesse de mettre cette église à notre disposition pour la manifestation d'aujourd'hui. Nous sommes très contents aussi d'avoir parmi nous cette année des membres de la communauté musulmane qui, malheureusement, n'ont pas pu venir l'année dernière. Donc c'est avec grand plaisir que nous accueillons toutes les différentes religions. Voilà. Et donc nous allons commencer notre concert d'aujourd'hui avec un morceau de Santou pour Santou. Nous débutons notre programme, donc c'est de la musique classique iranienne. Et c'est Monsieur Bahar Mohajer qui va nous jouer une pièce sur Santou. Thank you.
nachdem wir uns in die Welt altpersischer Klänge haben führen lassen, lade ich Sie jetzt dazu ein, sich auf einen Text zu konzentrieren, der aus dem Traditionsschatz des Christentums stammt. Herzlich willkommen, Abbé Böhmens, langjähriger Mitarbeiter von Agir, der nun als Vertreter der katholischen Kirche einen Text aus der christlichen Tradition lesen wird. Elle manque tellement à notre monde. Elle manque à nos cœurs qui se ferment et se révoltent. Elle manque entre les peuples qui s'opposent et se déchirent. Elle manque entre les églises qui s'ignorent et qui se blessent. Elle manque dans les familles qui se brisent. Ô Père, donne-nous la paix. Ô Christ, c'est en toi que la paix a pris nom et visage. Tu es notre paix. Tu as, dans ta chair, tué la haine et donné le pardon. Tu as, dans ton message, brisé l'indifférence et appelé au dialogue. Tu as, dans ta vie, banni la violence et instauré la tendresse. Ta croix victorieuse est le signe de cette communion, toujours offerte à la multitude de tes frères. Ta naissance et ta résurrection ont fait resplendir sur le monde. Du blockierst. Und nicht irgendeiner, sondern der Großrabbiner Sayak. Auch langjährig mitwirkend bei Agir. Und es ist doch wichtig zu wissen, dass er, wenn ich das richtig verstehe, auch dieses Jahr sein Amt in der Gemeinde niederlegen wird. Umso bedeutungsvoller ist es für uns, dass er Zeit hat, bei uns, bei diesem interreligiösen Konzert, einen Text aus der jüdischen Tradition zu lesen. Herzlich willkommen, Herr Oberrabbiner, à vous la parole, Monsieur le Grand Rabbin Sayak. L'amour du prochain, la justice et la bonté, base de nos devoirs envers notre prochain, sont recommandés dans deux maximes, dont l'une vient de Moïse, l'autre de Hillel, un docteur de la loi contemporain de Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, dit l'un. Ce que tu es pour toi-même, ne le fais pas à autrui, dit l'autre. La première semble recommander surtout la bonté, la seconde, la justice. Mais nous savons que généralement ces deux vertus ne vont pas l'une sans l'autre. Ces deux maximes si simples, tout en recommandant les mêmes vertus, les mêmes devoirs, demande cependant explication. Il est facile de dire « Soyez juste, soyez bon,
Aimez votre prochain comme vous-même. Ne lui faites aucun mal, aucun tort. Mais du précepte à l'application, il y a souvent du chemin. Pour suivre ces préceptes, il faut bien les comprendre. Cette maxime, aime ton prochain comme toi-même, parole sublime et touchante, qui depuis plus de 3000 ans retentit au mont Sinaï aux oreilles de tous les peuples de la terre, et pourtant n'est pas encore suffisamment
dem tibetischen Buddhismus. C'est un extrait du livre de Sa Sainteté le Dalai Lama, Le pouvoir de la bonté. Bien que toutes les religions insistent sur la compassion et l'amour, du point de vue philosophique, bien sûr, nous rencontrons des différences, ce qui est acceptable. Les enseignements philosophiques ne sont pas une fin en soi. Le but est d'aider et de secourir les autres. Sont valables les enseignements philosophiques qui soutiennent ces idées. Si nous entrons dans le domaine différences philosophiques, et si nous nous abandonnons à la critique mutuelle, c'est sans utilité. Il y aura des controverses sans fin. Le résultat principal que nous obtiendrons sera de nous irriter réciproquement sans rien accomplir. Mieux vaut comprendre l'objectif des philosophies et prendre en compte ce qu'elles partagent. La recherche de l'amour, de la compassion et du respect envers une force supérieure. Aucune religion ne considère fondamentalement que le progrès matériel soit suffisant pour l'humanité. Toutes les religions croient dans des forces au-delà du progrès matériel. Toutes s'accordent pour dire qu'il est très important et nécessaire de faire un puissant effort pour servir la société humaine. Pour arriver à cela, il est important que nous nous comprenions. Il existe en effet de nombreux domaines où un fond commun peut nous procurer l'harmonie. Soyons simplement côte à côte, nous aidons, nous respectons et nous comprenons mutuellement dans un effort commun pour servir l'humanité. Le but de la société humaine doit être l'amélioration compatissante des êtres humains. Dès le moment de notre naissance, nous dépendons des soins et de la beauté de nos parents. Plus tard, dans notre vie, quand nous sommes handicapés par la maladie et que nous devenons vieux, nous sommes de nouveau dépendants de la beauté d'autres personnes. Puisqu'au début et à la fin de notre vie, nous sommes si dépendants de la beauté des autres, comment pourrions-nous, en son milieu, négliger d'être bon envers les autres? L'amour et la bonté sont les fondements mêmes de la société. Si nous perdons ces sentiments, la société rencontrera des terribles difficultés. La survie de l'humanité sera en danger. En même temps que le progrès matériel, nous avons besoin d'un progrès spirituel, de sorte que la paix intérieure et l'harmonie sociale soient vécues. Sans paix intérieure, sans calme intérieur, il est difficile d'avoir une paix extérieure durable. Jetzt wird gleich ein schöner Gesang über unsere Köpfe hinwegschweben, und zwar von Sitta Föhr. Begleitet von Dr. Heiko Hans-Jossen. Sie singt Seven Valleys und Oberhannover. Thank you.
Ich habe einen Text gewählt über das Thema die Vergebung von Dietrich Bonhoeffer. Aus dem Matthäus-Evangelium, dem 18. Kapitel, nimmt er ein Wort, das Petrus an Jesus richtet. Dort heißt es, da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist genug siebenmal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, nicht siebenmal, sondern 70 mal 7 mal. Wir wollen uns fragen, ob wir einen Menschen kennen aus unserem Umkreis, dem wir Unrecht nicht vergeben haben, das er uns angetan hat. Einen Menschen, von dem wir uns im Zorn getrennt haben. Vielleicht nicht im offenen Zorn, sondern in stiller Bitterkeit, mit dem Gedanken, das kann ich nicht mehr ertragen. Mit diesen Menschen will ich nichts mehr zu tun haben. Oder sollten wir wirklich so unachtsam sein, dass wir sagen, wir wüssten keinen? Sind uns die anderen Menschen so gleichgültig, dass wir gar nicht wissen, ob wir mit ihnen in Frieden oder in Unfrieden leben? Ob nicht einmal einer nach dem anderen aufstehen wird und uns verklagen? Von mir bist du im Unfrieden geschieden. Mit mir hast du Gemeinschaft gebrochen. Ich war dir unsympathisch und du wandest dich von mir ab. Ich tat dir einmal weh und du ließest mich allein. Und ich konnte dich nicht wiederfinden. Ich habe dich oft gesucht und du gingst mir aus dem Weg. Es ist kein offenes Wort mehr zwischen uns gefallen und ich wollte nichts mehr von dir, nur deine Vergebung. Und du hast mir nie vergeben können. Es wird eine einzige große, drohende und furchtbare Stimme gegen uns werden. Du bist ein harter Mensch gewesen. Alle deine Freundlichkeit hilft dir nichts. Du warst stolz und kalt wie Stein. Wir waren dir gleichgültig. Du hast nie gewusst, was Verzeihung tut. Wie wohl sie dem tut, der sie erfährt. Und wie frei sie den macht, der verzeiht. Wir machen es uns leicht mit dem anderen Menschen. Wir meinen, wenn wir gegen jemanden keine bösen Gedanken hegen, dann sei das eben dasselbe, als hätten wir ihn vergeben. Und wir übersehen dabei ganz, dass wir keine guten Gedanken über ihn haben. Und vergeben, das könnte doch heißen, lauter gute Gedanken über den haben. Und ihn tragen, wo wir nur können. Und das gerade umgehen wir. Wir tragen den anderen Menschen nicht, sondern wir gehen neben ihm her und gewöhnen uns an sein Schweigen. Soll das so bleiben? Vous avez donné de votre nom.
Bitte nenne mich bei meinem wahren Namen,
damit ich erwache, damit das Tor meines Herzens von nun an offen steht. Das Tor des Mitgefühls.